Amis, frères et sœurs de Sabbat d'Élise, que la paix et l'Esprit du Seigneur soient avec nous. Quel bonheur de se retrouver dans vos foyers. Vous nous accueillez avec joie pour le louer. Après une semaine pendant laquelle il nous a bénis d'une multitude de bénédictions, même si nous avons parfois eu des moments difficiles. Nous lui rendons grâce pour cet amour qu'il déverse constamment sur nous. Continuons à nous approprier les promesses dont regorge la Bible. Dominique, peux-tu nous rappeler une promesse? La promesse choisie, Sylvie, se trouve dans Ésaïe 43, verset 2. « Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas et la flamme ne te fera pas de mal. » En toutes circonstances, nous devons manifester notre reconnaissance à Dieu pour ses grâces et ses bénédictions. Il nous a donné de précieux moyens de le remercier à travers nos prières, nos louanges et notre adoration. Ce que je vous invite à faire dès à présent. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié pour qui tu es. Merci pour cet amour que tu nous distilles chaque jour, dans tous les foyers, dans toutes les maisons. Nous avons de quoi nous réconforter, nous avons de quoi nous appuyer, parce que nous savons que tu es présent. Dans chaque circonstance de nos vies, tu es celui qui vient nous rappeler ô combien tu nous aimes. Au travers du feu, au travers de l'eau, au travers du vent, des tempêtes, tu es celui sur lequel nous pouvons nous reposer. Et c'est pour cela que ce jour sanctifié, mis à part pour toi, nous voulons élever nos âmes et nos cœurs afin de t'être reconnaissants pour qui tu es. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, nous t'avons prié, Père, dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Sylvie, sais-tu qu'il y a d'autres moyens d'être reconnaissant? Bien sûr, Dominique. Notre reconnaissance peut aussi s'exprimer par des comportements de gratitude comme aider, obéir et servir avec joie. Mm-hmm.
Notre Père céleste nous donne chaque jour le pain quotidien. Il nous donne chaque jour tout ce que nous possédons. En retour, nous devons simplement le servir. Il n'y a qu'une seule façon de servir Dieu, c'est d'accomplir sa volonté, être soumis à lui et non accomplir notre propre volonté. Servir Dieu est vivre pour lui, c'est-à-dire l'adorer. Faire sa volonté implique que nous devons être fidèles dans les grandes comme dans les petites choses. Nous devons garder les commandements de Dieu, comme Jésus nous le demande dans Jean chapitre 15 au verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. En un mot, Dieu nous demande d'être obéissants. Psaume chapitre 93. L'Éternel règne, il est vêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Son trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen.
Sais-tu, Sylvie, que servir Dieu implique aussi que nous servions les autres, nos frères, comme Jésus nous l'a montré. Quand nous servons les autres, nous servons Dieu. Nous ne le faisons pas pour avoir des remerciements, mais pour témoigner de lui autour de nous. Amen. Jésus est pour nous le modèle du vrai serviteur. Il a eu une vie centrée sur les autres. Ne nous dit-il pas dans Matthieu 25, 40, « Chaque fois que vous l'avez fait pour l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est vrai, Dominique. Servir Dieu équivaut également à adorer Dieu, lui rendre un culte, car il est Dieu, le Dieu créateur, celui qui nous a aimés le premier. Il est le roi des rois. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous le servons avec joie. C'est ainsi que nous créons une véritable relation avec lui. Il y a beaucoup de joie à servir un tel roi, doux et ne mettant pas sur nous des fardeaux que nous ne pouvons pas porter. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de commencer cette journée de sabbat avec vous, même si ce n'est pas physiquement, de manière virtuelle depuis le Canada. Je vous salue bien fraternellement. Je souhaite un excellent sabbat. Aujourd'hui, on m'a demandé de partager avec vous quelques pensées en lien avec le jour du repos. Le sabbat, c'est vrai, c'est le jour du repos. Le jour du repos physique, le jour du repos psychologique, le jour du repos spirituel. Et il y a bien des choses qui menacent notre repos dans la vie quotidienne, dans le monde d'aujourd'hui. Bien sûr, il peut y avoir les soucis de la vie quotidienne, le travail, le surmenage, le stress. Il peut y avoir aussi les conflits interpersonnels, les conflits au sein de la famille, les conflits au sein du travail, parfois même les conflits dans l'Église. Et puis, bien sûr, il y a aussi ce combat intérieur qui parfois menace notre repos, ces luttes intérieures qui font qu'on n'est pas pleinement en paix. Comment trouver le repos? Comment faire du jour du repos un vrai jour de repos? J'aimerais vous proposer d'y réfléchir en lisant un texte de l'Évangile selon Matthieu, où Jésus nous donne l'un des grands secrets du repos. Je lis avec vous. Dans l'Évangile selon Matthieu, ces versets bien connus, chapitre 11, versets 28 et 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Remarquez bien comment Jésus se présente ici. D'abord, c'est lui qui nous donne le repos. « Je vous donnerai du repos. » C'est donc en relation avec Jésus, dans cette communion avec lui, qu'on va trouver le repos. Mais Jésus ne se présente pas n'importe comment dans ce passage. Il se présente comme celui qui est doux et humble de cœur. Trouver le repos de l'âme, c'est trouver en Jésus cette douceur et cette humilité qui viennent de lui. Le repos vient de celui qui est doux et humble de cœur, et le repos est pour ceux qui sont doux et humbles de cœur. Alors permettez-moi pendant juste quelques minutes de réfléchir à l'humilité, à ce qu'est l'humilité, à l'importance de l'humilité. L'humilité, vous le savez bien, ce n'est pas de la faiblesse. L'humilité, ce n'est pas se considérer comme inférieur aux autres, ce n'est pas se regarder avec un regard négatif, ce n'est pas se dévaloriser. L'humilité, ce n'est pas s'écraser systématiquement en face des autres. Non, non. Le modèle de l'humilité, c'est Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui était fort, qui était solide, qui était courageux, c'est bien Jésus. Mais si Jésus était fort et courageux, il était aussi, il le dit lui-même, doux et humble de cœur. L'humilité, c'est en fait être à notre vraie place en tant qu'être humain. Et Jésus, en tant qu'homme, puisqu'il a été pleinement homme comme nous, a vécu toute sa vie à sa vraie place, c'est-à-dire à
à la place d'un être humain dépendant de son père. Vous savez que le mot humilité vient de la même racine que le mot humus, hein, la terre. Nous sommes des terriens, nous sommes des êtres de cette terre dépendants de notre Créateur. Et tant que je suis dans cette relation où je suis conscient de ma dépendance vis-à-vis de mon Créateur, tant que je peux dire, comme Jésus nous l'a appris, « Sans toi, je ne peux rien faire », je dois être absolument attaché au pied de vigne, au cep, pour pouvoir porter du fruit. Tant que je suis dans cette démarche-là, je suis dans la démarche qui va apporter le repos du cœur. L'humilité, en fait, c'est le contraire de l'orgueil. Et vous savez bien que tous nos problèmes en tant qu'être humain viennent de l'orgueil. À l'origine, le péché originel de l'homme et de la femme, c'est bien celui d'avoir voulu s'élever au-dessus de ce qu'ils étaient. C'est bien de s'être mis au centre du monde, le rego étant à ce moment-là, ayant pris la place de Dieu, du vrai Dieu. Il y a donc une invitation de Jésus à venir à lui, si on est chargé, si on a des soucis, si on a des conflits, si on a des problèmes de tous ordres, et il nous dit, je vais vous donner le repos, mais souvenez-vous, je suis doux et humble de cœur, et le repos va être trouvé par ceux qui, à mon image, veulent devenir humbles et doux. J'ai trouvé il y a quelques années un livre qui n'est pas récent, qui est même très ancien, un livre de Andrew Murray, un revivaliste du 19e siècle en Afrique du Sud, un homme qui a écrit beaucoup de très belles choses, et il a écrit un livre qui s'appelle « L'humilité ou la beauté de la sainteté ». Remarquez en passant qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur l'humilité. Si vous allez dans une librairie chrétienne et que vous cherchez, vous verrez beaucoup de livres sur la victoire en Christ, sur toute la force que nous avons en lui, et c'est absolument nécessaire. Mais pas beaucoup de livres sur l'humilité, parce que l'humilité, ce n'est pas un sujet qui attire beaucoup. Andrew Murray a écrit ce très beau livre, « L'humilité ou la beauté de la sainteté », et je lis avec vous juste un ou deux extraits de ce livre. « L'humilité, qui est le sentiment de notre absolue dépendance de Dieu, est par la nature même des choses le premier devoir, la plus haute vertu de la créature, et la racine de toute vertu. Notre salut a sa source dans l'humilité du Christ. Le salut qu'il nous apporte consiste à être humble comme lui. L'humilité n'est pas une grâce parmi d'autres grâces. C'est la racine de toutes les grâces, parce qu'elle seule prend devant Dieu une attitude vraie qui permet à notre Père céleste d'être tout en nous et d'agir par nous. L'humilité n'est pas une grâce parmi toutes les autres, c'est la racine de toutes les grâces. Vous avez remarqué que lorsque l'apôtre Paul décrit le fruit de l'Esprit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22-23, dans la liste qu'il donne de ce fruit de l'Esprit, il n'y a pas l'humilité. Et je me souviens que les premières fois que j'en ai pris conscience, ça m'a un peu troublé. Comment se fait-il que l'apôtre Paul n'ait pas placé quelque part là dans cette liste l'humilité ? Jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait, l'humilité, c'était la condition de base pour toutes les vertus, tous les autres aspects, tout le fruit de l'Esprit qui peut se manifester, se développer en nous. C'est dans l'humilité que je peux aimer. C'est dans l'humilité que je peux développer la foi en Dieu. C'est dans l'humilité aussi que je trouve la paix, le repos dont je veux parler avec vous aujourd'hui. On est tous naturellement orgueilleux, il faut le reconnaître. Et cet orgueil, ce moi qui veut être bien présent et qui ne veut pas qu'on l'attaque ou qu'on le rabaisse, ce moi-là souvent fait la guerre à la paix intérieure, au repos du cœur. Lorsque, dans l'humilité, je reconnais que je ne suis pas plus que qui que ce soit, que je n'ai pas systématiquement raison, que je ne suis pas celui qui doit toujours être reconnu par les autres. Lorsque dans l'humilité, je prends simplement ma place et que j'accepte
d'être corrigé par Dieu, d'être conduit par Dieu, et parfois d'être repris et corrigé par les autres. Lorsque le moi cesse d'être là, sans cesse prêt à se battre, alors je trouve la paix et le repos. Mais il faut pour cela que Dieu puisse briser en nous l'orgueil, briser en nous l'égoïsme, briser en nous cette tendance égocentrique et cette tendance à vouloir avoir toujours raison et être au centre. Je me souviens avoir vécu il y a quelques temps une expérience qui m'a rappelé à quel point je devais demander à Dieu l'humilité et parfois m'humilier devant lui et devant les autres. J'étais dans l'église dont j'étais le pasteur et il se trouvait que pendant le moment de louange, j'entendais qu'il y avait quelqu'un qui parlait fort dans le local technique. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'il parle aussi fort alors qu'on est, on est dans le moment du culte. Alors j'ai attendu un petit peu en pensant que ça allait changer, que la personne allait cesser de parler fort. Et puis ça continuait. Alors je suis monté jusqu'à l'endroit où se trouvait le local technique. Et là je lui ai dit d'une manière assez verte et sans beaucoup de gentillesse, est-ce que tu te rends compte que tu déranges tout le monde ici? Il serait temps de baisser le ton. Et puis, sans même regarder, j'ai tourné le dos et je suis redescendu. Pendant quelques instants, vous savez comment ça se passe, pendant quelques instants, je me suis dit, ah, voilà, il a eu ce qu'il méritait, j'espère que ça va le faire réfléchir. Et quelques secondes plus tard, le Saint-Esprit a commencé à parler dans mon cœur et à me dire, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que tu as fait la bonne chose? Est-ce que tu es sûr que tu as parlé avec gentillesse, avec bonté, que tu m'as bien représenté? Et à ce moment-là, il y a un petit combat intérieur que vous connaissez sans doute comme moi. Et puis je dis au Seigneur, oui, tu as raison. Tu as raison, je n'ai pas parlé avec bonté, je n'ai pas parlé avec gentillesse, je n'ai pas parlé avec respect. J'étais mal représenté. Immédiatement, l'Esprit de Dieu m'a dit, mais tu sais ce que tu as à faire, et à faire tout de suite. Alors je suis remonté dans le local technique, je suis allé retrouver la personne, je lui ai dit, je veux te demander pardon, je t'ai mal parlé, je ne t'ai pas parlé avec respect, je ne t'ai pas parlé avec bonté, je regrette et je te demande pardon. Et alors que je disais ça, j'ai vu la personne qui est en face de moi et qui avait les traits tendus, se détendre. Et puis on s'est serré la main, on s'est même pris dans les bras, et puis le culte a pu continuer et j'ai pu prêcher ce jour-là en étant en paix, en ayant le repos du Seigneur dans mon cœur. Je partage ça avec vous parce que, en fait, bien des problèmes interpersonnels, bien des conflits qu'on peut avoir, bien des problèmes familiaux, bien des problèmes professionnels, bien des problèmes d'église viennent de notre manque d'humilité, de notre manque de capacité à nous remettre en question, de notre manque de capacité à reconnaître qu'on n'a pas toujours raison, à être prêt à écouter l'autre. Tout ça, c'est dans l'humilité et la douceur de cœur que Jésus avait, qu'il nous demande de vivre et dont il nous dit que sous son influence, cela nous donne le repos. Et je voudrais encore partager avec vous une ou deux citations que j'aime beaucoup, extraites de livres écrits par Ellen White. La première citation est extraite du livre « Les Béatitudes ». C'est l'amour du moi qui détruit notre paix. Tant que le moi est bien vivant, nous sommes continuellement prêts à le garder des mortifications et des insultes. Mais quand nous sommes morts au moi et que nous sommes cachés en Christ, ce qui est la véritable humilité, nous ne prendrons plus à cœur les manques d'attention ou les affronts. Et dans le livre « Premiers écrits », je lis ceci, « Si l'orgueil et l'égoïsme étaient mis de côté, 5 minutes suffiraient à régler la plupart des difficultés. » Je relis, « Si l'orgueil et l'égoïsme étaient mis de côté, 5 minutes suffiraient à régler la plupart des difficultés. » En fait, dans l'expérience que j'ai partagée avec vous, ça n'a pas pris 5 minutes. Ça a pris moins d'une minute. Le temps de laisser
l'Esprit de Dieu me convainque que j'avais besoin de m'humilier, de reconnaître mes torts, le temps de rencontrer un frère avec qui on a pu simplement échanger quelques mots et dans l'humilité, dans le pardon et dans le regard tourné vers Dieu, trouver cette paix et ce repos que Dieu veut nous donner. Alors, un sabbat commence et je souhaite que ce soit pour chacun d'entre nous un jour de repos, un vrai jour de repos. De repos parce que nous serons humblement dans cette relation avec notre Dieu, de lui faire confiance, sachant que notre vie est totalement dépendante de lui. De repos avec les autres parce que nous aurons laissé de côté nos conflits, nos rancœurs, nos manques de pardon. Et nous aurons demandé à Dieu, au contraire, de remplir notre cœur de cette humilité, de cette douceur caractéristique de Jésus. Que Dieu puisse donner à tous un vrai jour de repos dans l'humilité. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu nous as donné l'exemple, tu es le modèle même de la douceur et de l'humilité. Et pourtant tu étais fort, Seigneur, mais de cette force qui vient d'en haut et que nous voudrions tous vivre dans la dépendance de toi et de notre Père Céleste. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous si souvent de laisser le moi reprendre tant de place dans nos vies, d'être orgueilleux, d'être égoïste. S'il te plaît, fais pénétrer en nous, en cette journée de sabbat, la paix qui vient de toi, de ton pardon et de ton humilité bénie. Nous t'en prions en ton nom. Amen. Amis, frères et sœurs de Sabbat d'Élise, appliquons-nous à servir Dieu, non par contrainte, mais par reconnaissance, car il nous a sauvés et il nous aime. Rendons-lui grâce au travers de notre vie, que nous lui consacrons, non parce que nous devons le faire, mais parce que nous l'aimons et que nous voulons le servir. Servir un tel Dieu est un privilège, Dominique. Amen. Prions. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons, avec nos bien faibles mots, te témoigner de notre reconnaissance pour qui tu es. Merci d'être celui qui nous a aimés le premier. Avant que nous ne fussions tissés du sein de nos mères maternelles, tu nous avais déjà choisis et appelés. Oh, et nous ne pouvons rester véritablement dans le déni de cet amour incommensurable que tu portes à notre égard. Merci d'être celui qui nous accompagne. Merci d'être celui qui vient nous rappeler ô combien il est important et judicieux pour nous de demeurer en ta présence chaque jour. Nous avons à cœur ce jour sanctifié, mis à part pour toi, de te témoigner avec nos faibles mots, cette reconnaissance que nous avons à ton égard, pour l'amour que tu distilles envers nous, pour la patience dont tu distilles à notre égard chaque jour. Éternel, merci pour ce moment merveilleux que tu nous as permis de partager ensemble. De tous les coins de la terre, tu es celui qui nous unit en Jésus-Christ, ton Fils, afin de pouvoir t'adorer, te célébrer en tout honneur et en toute gloire, car tu es le seul à en être digne. Nous t'avons prié, Céleste Père, et demandé ces grâces dans le doux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Chaque instant, chaque seconde sont une grâce pour moi. Tant de fois je me demande si je mérite cela.
Qu'ai-je donc fait pour que ton amour me voie? Il est si fidèle, il ne soupçonne pas qu'une de mes erreurs et aucun de mes faux pas. Je te donne toute ma confiance, oui, totale, toutes mes espérances. Dans mes joies, mes peines, rien ne brisera notre alliance. Reçois ma reconnaissance. Je tombe, tu me relèves et tu me montres la voie. Et le désir de te suivre est le meilleur des choix. La paix que tu as posée en mon cœur me pousse à te glorifier, ô Seigneur. Reçois ce chant tel un parfum de bonne odeur. Je te donne toute ma confiance. Oui, toutes mes espérances. Dans mes joies, mes peines, rien ne brisera notre alliance. Reçois ma reconnaissance. Les tempêtes souffleront, les larmes couleront, mais ce sont tes décisions qui me quitteront vers le chemin de la vie et de la vérité. Oh, vers l'éternité. Je te donne toute ma confiance. Oui, te donne toutes mes espérances. Dans mes joies, mes peines, rien ne brisera notre alliance. Reçois ma reconnaissance. Je te donne toute ma confiance. Oui, te donne toutes mes espérances. Dans mes joies, mes peines, rien ne brisera notre alliance. Reçois ma reconnaissance. Merci de nous avoir accueillis dans votre cocon familial, que vous soyez en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane ou ailleurs. Merci de nous avoir suivis. Nous vous laissons avec ce verset à garder dans vos cœurs. Il se trouve dans Deutéronome 13 au verset 5. C'est l'Éternel, votre Dieu, que vous suivrez et c'est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous respecterez. C'est à lui que vous obéirez. C'est lui que vous servirez et c'est à lui que vous vous attacherez. Comme à l'accoutumée, nous vous invitons à partager, à liker cette émission qui vous fait plaisir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Sabbat d'Élise. Bon sabbat à tous. Bon sabbat d'Élise à tous.